Alors l'olivier donc est originaire du bassin méditerranéen. C'est un arbre très ancien, à la longévité exceptionnelle. Il peut atteindre plus de 3000 ans. Et au niveau structure et charpente, si vous voulez, des oliviers peuvent faire jusqu'à 15 à 20 mètres de hauteur. C'est un exemple, par exemple, le caillotier dans la région PACA, il y en a certains qui font jusqu'à 20 mètres de hauteur. Oui. Bah, l'olivier est très à la mode. Plus on va dans les régions du nord, c'est-à-dire la Bretagne, etc., plus ces régions-là vont rechercher le soleil à travers des plantes, notamment l'olivier ou le palmier, et c'est un synonyme de c'est aussi un symbole de paix. Il y a beaucoup de symboles liés à l'olivier, et autre le fait qu'il apporte la lumière, enfin, et le soleil, quoi, quelque part, et les olives. Même nous, on a des olives en Bretagne. Le port d'un olivier, ça peut avoir ça peut être guidé de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'on va avoir un port de ce type-là, ou un port en touffe, c'est-à-dire buisson pour la variété Cipressino. On peut avoir plusieurs types de ports, des ports dressés, des ports en marquise, c'est-à-dire avec les branches qui retombent, ça c'est de la façon dont on le taille. Donc il existe vraiment une variété de ports aussi grande que, je vais dire, que ce que l'imagination humaine peut trouver, quoi. Alors, on peut faire des haies avec les oliviers, donc c'est la variété Cipressino qui se prête bien à ça. Alors, elle peut faire soit des mini bonsaïs, comme on a sur le site, ou soit des haies. En fait, l'avantage de ça, c'est que ça va faire quelque chose de plutôt buissonnant, plus qu'un arbre avec une tige de cette façon. Et c'est plutôt réservé aux haies, principalement réservé aux haies, oui, tout à fait. On le taille généralement pour supprimer l'alternance, pour avoir plus de production. L'alternance, c'est un phénomène qui fait que sur tous les fruitiers, ça produit une année plus que l'autre. Une année, ça va faire plus de fruits, une autre année, ça va faire plus de feuilles. Donc ça, c'est l'alternance. En taillant, pour tous les arbres fruitiers, on va pouvoir supprimer cette alternance. Il faut savoir aussi que les oliviers, lorsqu'ils produisent, ils vont produire des olives, les petites olives, qui vont être récoltables d'octobre à janvier, en fonction du climat, des variétés, et du contexte. Alors il existe plus de 2000 variétés d'oliviers qui sont connues, parce que ça fait quand même beaucoup de variétés, notamment grâce au pollen qui peut parcourir plusieurs centaines de kilomètres. Donc après, l'influence des variétés est énorme, parce qu'elle a un rôle sur le tronc notamment, c'est-à-dire déjà sur la plante en elle-même, sur la hauteur qu'elle va avoir, etc. Mais aussi sur le tronc, parce qu'une variété aura le tronc lisse pendant plus longtemps, et d'autres le tronc rugueux plus prématurément, mais ça va aller plus loin que ça, ça va aller aussi sur la taille des feuilles, leur forme, ça va aller aussi sur la teneur en huile des olives, la période de récolte des olives, et beaucoup de choses comme ça, et notamment aussi la résistance au froid, parce qu'on a le bouteillant qui résiste plutôt dans les moins 18 degrés, alors que l'espèce standard, elle, résiste à moins 12 degrés, quoi. Donc les variétés ont vraiment leur importance. Alors les quelques grandes lignes, savoir déjà où est-ce qu'on la plante. Si on est dans le sud, pas besoin d'avoir un produit acclimaté. Si on est dans le nord, il vaut mieux quand même choisir un produit acclimaté. C'est toujours mieux pour avoir aucun échec. Ensuite, c'est bien sûr avoir un endroit toujours au sud, plein sud, bien drainé. Et ce qui est très important, c'est de savoir aussi le produit qu'on va planter. Qu'est-ce qui va devenir dans un an, deux ans, trois ans? Il faut savoir que ça grandit pas très grand, pas beaucoup, parce que ça, c'est des oliviers qui ont 20 à 40 ans, donc qui sont déjà des vieux sujets, mais qui restent quand même petits en gabarit. Et donc, il faut bien savoir tout ça. Il faut savoir exactement où est-ce qu'on va l'implanter et connaître la taille qu'il va prendre à l'âge adulte.